Je peux savoir ce que vous faites? Rien. Si. Vous êtes en train d'écrire. Ah oui. Une jolie jeune femme en trench coat, patiente sur le banc d'un abribus. Vous allez m'effacer tout de suite de votre carnet. Pour qui vous me prenez? Ah non, non, mais rassurez-vous, c'est pas vraiment vous, c'est juste un personnage. Ah oui? Et qu'est-ce que vous comptez en faire de ce personnage? Ah, rien. Enfin si, mais rien de... Enfin, je sais pas. Vous en pensez quoi? J'en pense que toi, tu m'écris pas, t'as compris? Tu fais quoi? Non, j'ai rien. Je travaille, là. C'est quoi? Une histoire d'abribus. Un rôle pour moi? Ah, difficile à dire. J'ai encore rien écrit. Ah bon? Mais c'est pas le scénario que tu dois faire lire tout à l'heure? Merci. Mais alors qu'est-ce que t'as fait toute la semaine devant ton ordinateur? J'ai pas écrit. T'as rien fait? Non, j'ai pas rien fait, je viens de te dire, j'ai pas écrit. C'est pas rien faire, pas écrire. C'est même crevant, si tu veux savoir. Donc quand j'écris pas, en général, ça me prend toute la journée. Putain, je suis à la bourre, j'ai rendez-vous dans 2 heures, je suis pas douchée. T'inquiète pas, j'écris un truc vite fait, je sais pas. Toi, tu te décourages jamais, toi. Pourquoi, je vais me décourager, d'après toi? Ah non, non, mais simplement, je sais pas, à force de vautrer, comme tu dis. Je sais pas comment tu fais pour y croire encore. C'est peut-être un peu calme en ce moment, mais ça ira sûrement mieux quand on ira à Paris. À Paris? Mais tu crois que ça ira mieux comment, Mona? Tu sais combien il y a de comédiennes au mètre carré à Paris? Juste dis un chiffre. Mais pourquoi tu me dis ça? Tu veux plus y aller? Mais si, mais faut être réaliste, c'est tout. Puis là-bas, pour décrocher un rôle, tu couches pas. Tu sais que ça, en même temps... Mais vas-y, vas-y à Paris, vas-y, va partout, c'est à Paris! Parfois, je me dis que tout le monde pense que je suis nul. Personne n'ose me le dire. On me dit, oui, vas-y, continue, t'as du talent, faut réaliser tes rêves. Mais en fait, les gens, ils disent ça parce qu'ils s'en foutent. Et moi, comme un con, je les écoute et je continue. Si ça se trouve, même tous les jours, des millions de nuls sont encouragés par des gens qui s'en foutent. Ça expliquerait le nombre incalculable d'échecs et de nuls qui s'ignorent dans leur domaine. Ça expliquerait pas mal de choses, en fait, quand on y réfléchit. Je comprends rien. C'est l'histoire d'une fille sous un abribus. Oui, ça d'accord. Mais après? Il pleut. Non mais qu'est-ce qu'elle nous veut, cette fille? Alors, ça justement, elle veut pas. Elle veut pas patienter sous l'abribus? Excuse-moi une petite seconde. Ça sonne pas. Bonjour. Comment ça, ça sonne pas? Je viens de vous le dire, ça sonne pas. Ah bah. Évidemment, là, c'est ma mère, alors forcément, ça sonne. Mais sinon, ça sonne pas. Ah bon? Alors, ok, je prends peut-être pas très bien la lumière, là, mais... Je suis quand même pas mal. Enfin, je veux dire... physiquement. Et bah lui, il me dit, on vous rappellera. Non, mais vous avez raison, c'est forcément le téléphone. Ah oui, c'est évident. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez me le laisser cet après-midi, parce que là, je suis comme au milieu d'un truc. Oui, gardez-le. De toute manière, ce que j'en ai à foutre de ce type... Non. Si ma mère me rappelle, vous pouvez lui dire de ma part, bah qu'il m'emmerde. Mmh.
Tu t'y connais, toi, en téléphone? Et sinon, le scénario? Le scénario? Ah oui, le scénario. On disait qu'elle veut pas quoi, déjà? Non, parce que moi, justement, je me disais que du coup, comme elle veut pas, du coup, tout le monde la veut, puisque les autres filles, elles veulent toutes. Alors, du coup, elle, la fille, elle se démarque des autres, puisqu'elle les veut pas. Ah, d'accord. Elle veut pas être comédienne. D'accord. Mais rappelle-moi juste, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle veut pas être comédienne? Bah, rien. Non, non, c'est, ça c'est juste au tout début, mais à la fin, elle veut bien. À la fin, elle veut bien être comédienne? Enfin, oui, je sais pas. C'est, on sait pas vraiment ce qu'elle veut, mais ce qui est important, c'est que le personnage change. Ça, c'est important, je l'ai lu dans un bouquin de scénario. Tu vois, Maxime, je suis embêté. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je me demande si tu serais pas un petit peu en train de te foutre de ma gueule. Non, non, je te jure que non. Écoute-moi bien, petit con. Ça fait 2 ans que j'ai monté cette prod et j'ai jamais réussi à financer le moindre projet. 2 ans que je trime dans cette boutique de téléphone à la con juste pour garder cette plaque sur mon bureau. 2 ans que t'as pas été foutu de me ramener le début d'un clin d'œil, d'une idée de scénario, mais là tu te débarques un lundi matin, la bouche en cœur. Avec un putain de projet? Un putain de projet? Ah bon? Et le pire, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ça marche, ta merde, hein, que ça cartonne même. Ça pourrait même nous mener très loin, tout ça. Nous mener très loin, où ça? Mais enfin, la mec, mec. Où ça? À Clermont-Ferrand. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Clermont-Ferrand, moi? Je vends des téléphones! On n'y est pas encore! C'est pas forcé que ça marche! Puis si tu regardes bien, c'est franchement pas terrible, ce que j'ai écrit, c'est même pas fini! Pas terrible ton idée, mais attends, mais tu te fous de ma gueule! Non, 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 c'est beaucoup trop risqué, mon petit vieux! Mais c'est quoi exactement mon idée? Non, puis y a pas que Clermont-Ferrand, y a aussi les festivals, les projections, les cocktails et les Césars. Putain, t'as pensé aux Césars? On va où là? Non, mais tu sais ce que c'est que de tourner un film? Non, mais je veux dire vraiment! De se taper des comédiens, des techniciens, une script, une maquilleuse. Parlons-en de la maquilleuse. Non, non, non. Très peu pour moi, mon petit vieux. Tu veux que je te dise? Très peu pour toi aussi. Mais faudra encore que j'aille au bout. Enfin, tu me connais. Combien de projets je t'ai amené que j'ai jamais été foutu d'écrire jusqu'au bout? Je sais très bien reconnaître un homme qui va au bout. Je peux te dire que tu vas aller au bout. Je sais de quoi je parle. Je vends des téléphones à des gens qui vont au bout tous les jours. Bon, bon, bon. Admettons que je termine mon scénario. Faut encore qu'on trouve une comédienne qui puisse dire devant la caméra qu'elle veut pas être comédienne. Parce que ça, faut qu'on y croit. Ah, là, tu marques un point. C'est vrai que c'est pas gagné. Allô, oui. Ah, bonjour, madame. Oui, non, elle est pas là. Je répare juste son téléphone. Voilà. Ah, elle m'a dit de vous dire que vous l'emmerdiez. Oui, voilà. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors, tu sais quoi? On va le faire, ton putain de casting. Je connais un endroit où il y en a plein de comédiennes, moi. Plein! On va dans un cours de théâtre? Bon, bah qu'est-ce que tu fous, bordel? Mais tu viens, mais c'est juste là! Tu vas pas me faire rentrer là-dedans, quand même. Bon, tu viens? Alors, qu'est-ce que je te disais? Je ne veux pas être comédienne! Allô? Amanda, oui, ça va? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Non, moi rien, non, non, c'est... je suis dans un hall, une usine, enfin je sais pas. Il y a plein de filles. Attends, hé, oh, tu fais quoi là? C'est Mona. Attends, c'est quoi ça, Mona? Mais il n'y a pas de Mona, hein? On n'a pas le temps de faire du Mona. Attends, on a du boulot là, hein? Maxime, je te présente Fritz, c'est ton chef opérateur. J'adore ton scénario, super la fin. Ah, merci. On a un problème, j'ai pas écrit de fin. Ah bah attends, un début, une fin, une structure, tout ça c'est bourgeois. Tu vois ce qui me plaît chez toi? C'est qu'on sent
t'en as rien à foutre de ton histoire. Et que la vraie question, c'est... Non ! Comment on va faire pour éclairer tout ce merdier ? D'accord. Et donc, vous travaillez avec quel genre de marque de caméra ? Non, Fritz travaille avec aucune caméra. Non ! Avec juste des comédiens. Et un peu de lumière. Et pas de caméra. Et encore, les acteurs, c'est pas obligé. Hein. Avec lui, on va pas se faire chier avec la post-prod. Hein. Non mais t'as déjà bossé avec un monteur, toi ? Bah franchement, je te le souhaite pas. Je me disais, ce serait bien si... si les personnages, ils meurent tous à la fin. Parce que finalement, la fin la plus crédible dans la vie, c'est la mort. Bon. Je crois que... Excusez-moi, voilà, je crois qu'on s'est tous emballés un peu trop vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Je propose qu'on rentre tous chez nous. On va réfléchir à tout ça bien posément. Non mais ça va, oui ! Déjà qu'on fait la queue pendant des heures comme des pauvres cols, en se serrant l'espoir de jouer ce truc débile tellement on est désespérés, et lui, il veut nous claquer dans les pommes avant même d'avoir commencé ! Mais t'as pété les plombs, quoi. J'ai joué les plus grands auteurs, moi. Beckett, Racine, Corneille, Molière, Sophocle, Shakespeare, Guitry, Aristophane... Écoutez, mademoiselle, je sais vraiment pas quoi vous dire, mais... Ouais, bah... Vu la qualité de tes dialogues, je crois que c'est mieux. C'est moche de cracher dans la soupe. Moi, je serais prête à sucer un gorille pour avoir des répliques de ce goût-là. Écoutez, je suis figurant. Alors c'est simple, du texte, moi, j'en ai pas. Jamais. Non mais ça va, vous deux, là-bas ? Vous permettez que je postule ? Et on pourrait savoir pour quel type de rôle ? Un rôle plutôt dans mon genre. Ah bon ? C'est un rôle masculin ? Donc, vous seriez pas sournoisement en train de nous piquer la vedette, là ? C'est surtout que j'en ai rien à foutre, moi, d'être figurant. Ça fait 15 ans que je suis acteur, alors s'il y a un rôle à décrocher dans ce merdier, il est pour moi. Bon, je te laisse faire, je vois que t'as la situation en main. Je ne peux pas. Monsieur, je suis ex-figurant. Et c'est moi qui vais vous interpréter dans votre propre rôle à partir de maintenant. Cette histoire... Enfin, c'est complètement ridicule. Ah, on se ressemble même pas. Ah, si, si. Madame, faut pas rester là, madame. C'est là-bas, le casting. C'est pas madame, c'est mademoiselle. Petit con. Mademoiselle, je suis producteur. Alors ça, c'est gentil. Tu m'étonnes. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je vais pas avoir de texte pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Comment ça, pas de texte ? Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Mais merde, on va pas le laisser nous enfiler comme ça, les filles. On veut du texte ! On veut du texte. On peut savoir ce que vous êtes en train de faire là ? Je colle au personnage. Je m'adapte. Je m'introduis. Non mais ça va pas, non ! On veut du texte. Excuse-moi, il y a une madame chelou près du décor. Je sais pas c'est qui. Quelle madame ? Vous êtes qui, vous ? Non mais parce que je suis stagiaire à la régie. La meuf, elle bouge ou bien... Ou bien quoi ? Quel décor ? Je comprends rien ! C'est bon pour l'abribus, mais si tu veux le bus, il faut prendre les écoliers qu'il y a dedans avec. Je fais quoi ? Mais taisez-vous à la fin, merde ! Quel est l'enculé qui a osé poser un rat de trapine sur mon plateau ?
Te fatigue pas. De toute façon, je veux plus être comédienne. Ah bon? T'avais raison. C'est trop dur, j'abandonne. Ça fait des mois que j'ai pas décroché un rôle. Je suis peut-être pas faite pour ça, faut que je me fasse une raison, c'est tout. Oui, forcément. Je viens d'avoir 30 ans et je suis en train de rater ma vie. Puis toi, enfin... Je vois bien que je t'intéresse pas tellement non plus. Ah d'accord, non mais ça c'est rien, ça c'est juste des filles. Oh arrête, hein. Ce matin, soi-disant, t'as pas de scénario et dans la journée t'organises un casting, tu me prends pour une conne. Je suis sûre qu'en fait tu me trouves nulle mais que t'oses pas me le dire. Sinon pourquoi tu fais tout cinéma pour pas me prendre dans ton film? Pourquoi tu me prends pas si c'est pas parce que tu me trouves nulle et que t'oses pas me le dire? Mais je te prends pas où moi? Oh arrête, tu m'écoutes là? Attends Mona, je suis désolé pour ce matin, j'ai vraiment été nul mais... C'est que parfois j'ai l'impression que je dois écrire pour toi et... Je sais pas, ça me bloque. Je te bloque moi? Ah non non, bah non évidemment, dit comme ça. Oui. Ce que je veux dire c'est que... J'ai besoin de te convaincre que... Que tu te dérobes, que tu te fasses un peu désirer, tu comprends? T'inquiète pas pour moi, mon chéri. Je suis sûre que tu trouveras la comédienne qu'il te faut. Mona, reviens! C'est toi que je veux! Tu veux fermer ta gueule, toi, oui? Mona! Attends! Mona, qu'est-ce que t'es belle quand tu veux pas? Mona! Soudain, j'ai peur, mon amour. Tu crois vraiment qu'à la fin de cette histoire, on va tous mourir? Peut-être bien, oui. Peut-être même qu'on est juste des hommes, après tout. Des hommes, et puis c'est tout.